On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com, un audacieux projet dans le cadre des festivités du 350e anniversaire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, celui de recueillir et de produire de 50 à 60 000 portraits, des visages, des photos qu'on va imprimer et qu'on va garder pour les 200 prochaines années. C'est une idée de fou qui est venue en tête de Martin Clermont et il a amené un paquet de gens avec lui dans cette aventure qui va commencer dans les prochaines semaines. Vous avez peut-être vu la nouvelle passer, c'est quand même assez intéressant comme projet, c'est novateur, c'est particulier. Et comment vont-ils réussir? C'est quand même important, c'est 60 000 photos, 60 000 portraits de Joannais. On sait, on est dans le cadre des festivités du 350e anniversaire. C'est vrai qu'on avait sollicité des projets, mais projets comme celui-ci, c'est quand même intéressant. On vous présente nos invités. D'abord, Martin Clermont. Bonjour. Bonjour. Accompagné de Julie Clermont. Bonjour. Bien sûr. Et Marc-André Payet, on vous souhaite la bienvenue. Salut. C'est toi qui as eu cette idée-là? Oui, ça fait un petit bout de temps, oui. Ça t'est venu comment? Ça m'est venu comment? Ça... Par le Saint-Esprit? Moi, je t'avoue, habituellement, mes idées, je les ai dans la douche le matin avant de m'endormir le soir. Là. Fait que c'est sûrement une de ces deux périodes-là que ça s'est passé. Mais ça fait à peu près, 7-8 ans que j'avais parlé à un de nos partenaires qui n'est pas là ce soir, Jean-Martin, là, qui est mon beau-frère dans la vie. Donc lui, je lui en avais parlé il y a à peu près 7 ans. Je voulais réaliser un stunt à Saint-Jean de photographier tout le monde de la ville pour sensibiliser. Tu avais pensé à ça il y a 7 ans? Ah, ça fait un petit bout de temps que ça mijote dans ma tête. J'ai beaucoup d'idées comme ça qui sont parfois comme un peu dangereuses, là, je te dirais comme idée. Là, c'est un projet qui est quand même assez... Qui est assez... Et là, avec les festivités du 350e, tu t'es dit quoi? Là, il y a comme un timing parfait. Le timing était bon, c'est ça. Je trouvais que, justement, pour le 350e anniversaire, on s'est dit, il me semble que ce serait le fun de rendre hommage aux gens ou de rendre ces festivités-là bien inclusives, c'est-à-dire de faire participer tout le monde de la ville. Parce que ce qui est important, dans le fond, d'une ville, c'est les gens qui habitent, c'est ça la personnalité de la ville. Donc, on s'est dit de pouvoir toutes les prendre en photo, puis de pour cette année-là en particulier. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imprimer toutes ces photos-là. On va les archiver pendant 200 ans. Donc, on immortalise Saint-Jean en 2016. Qu'est-ce que la ville est, en fait? Donc, c'est un peu ça le projet. Et là, qui sont les personnes qui vont t'accompagner dans ce projet-là? Bien, on est une équipe de cinq à la base. Là. L'équipe, en fait, la moitié de l'équipe qui est ici avec moi, il y a Julie Clermont, Marc-André Payet, Sarah Legault et Jean-Martin. Puis aussi, on va avoir évidemment une équipe de bénévoles photographes qui va être avec nous parce que 60 000 photos à 5, c'est un peu exagéré. Bon, Julie, est-ce qu'il t'en avait parlé il y a 7 ans? Martin me parle de tous ses projets. Est-ce qu'on le prend au sérieux, d'habitude? Honnêtement, on le prend toujours au sérieux. Ah, okay, bon. Oui, on est assez... En fait, c'est une super idée. Puis, c'est juste qu'il y a 7 ans, dans la réalisation, c'est sûr que là, on a un thème. On a un thème qui est le 350e. On veut immortaliser cette année-là, puis je trouve que ça se place bien. C'est sûr qu'au moment où il nous en a parlé, on s'est dit « Oh là là, dans quoi on s'embarquerait? Puis comment on pourrait pousser puis lever ce projet-là? » Là, c'est certain qu'on a la chance d'avoir le 350e derrière nous, puis ça, on est très chanceux. Puis pour 2016, c'est une façon de stopper le temps là, parfaite. C'est sûr que ça me rejoint beaucoup quand tu m'en as parlé, Éric, parce que nous, leurs photos, bien, on remarque que les gens impriment moins. Je t'en ai parlé lors d'une dernière entrevue. C'est important de sensibiliser la population à l'impression de cette façon-là en disant à tout le monde, écoutez, on vous prend en photo, puis on vous immortalise. Là. C'est vrai, c'est imprimé, ça va être dans des filières classées par ordre alphabétique. On va avoir exactement là, la ville dans une filière. Donc, il faut que tout le monde participe. C'est le message à passer à nos... C'est quoi le défi logistique d'un tel projet? Parce que là, on a une superbe idée. Puis là, on se dit, OK, là, c'est beau, le rêver, mais là, maintenant, comment on le fait dans la vraie vie, là, dans l'application, dans l'exécution? Facile. Bien, on se tourne vers Marc-André. C'est lui! C'est moi. Non, en fait, faut essayer d'aller rejoindre tout le monde, de trouver... On avait pensé à faire un événement pour essayer de rassembler tout le monde, mais de trouver un événement qui va rassembler 60 000 personnes, c'est assez difficile. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a voulu aller chercher tout le monde dans la communauté. On commence avec... les résidences de personnes âgées. Donc, pour faciliter au niveau de l'accessibilité, on va faire une tournée toutes les résidences. On est en train d'organiser tout ça. Par la suite, on va faire une tournée
de toute Saint-Jean. On a divisé la ville en 17 quartiers environ, ben précisément 17 quartiers, qu'on va se promener avec une caravane. Grâce à Transport Bourassa, ils vont nous fournir un 53 pieds. On va aménager 5 photobooths à l'intérieur de cette caravane-là. Puis, on va faire 17 mini fêtes de quartier. Donc, il va y avoir d'animation, il va y avoir vraiment quelque chose qui va enrober tout ça. Puis, en se promenant, tout ça avec les centaines de photographes bénévoles qu'on va avoir, on va être capable de photographier tout le monde. Il y a également des événements particuliers auxquels vous allez participer, où là, vous allez solliciter, bien sûr, la photographie des gens. Exactement. On va être présent à la fête nationale, à la fête du Canada également. Puis on veut compléter avec être à proximité du Festival des Montgolfières pour aller chercher les gens qui n'auront pas eu le temps pendant l'été de se faire photographier dans les week-ends. À travers ça, tout au long de la tournée, en fait, de la caravane, il va y avoir un studio permanent qui va être installé chez leur photo. Donc, une infirmière qui travaille tous les week-ends, qui ne pourra pas se présenter dans son quartier ou dans un autre des quartiers, va pouvoir se présenter la semaine chez leur photo pour pouvoir se faire prendre en photo dans les mêmes standards. Puis tout ça va se compléter au centre des naissances avec les nouveaux-nés. Donc, la fin du projet se complète là. On commence avec les personnes dans les résidences de personnes âgées, puis on complète au centre des naissances. Avez-vous une idée approximative, justement, du nombre de personnes âgées que potentiellement vous pouvez prendre, la population générale, hommes, femmes, tranches d'âge, nouveau-nés? Avez-vous un peu un aperçu du découpage, si on veut, la démographie, de la population? Là, si on avait, en fait, ce qu'on a fait, on est allé, on a pris vraiment la démographie complète. On est allé par quartier, là, plus que par, justement, classification, par exemple, hommes, femmes, famille. Parce que, dans le fond, en se déplaçant avec la caravane, premièrement, la caravane va être adaptée. Donc, si on a des personnes en chaise roulante, à mobilité plus réduite, ils vont pouvoir aussi accéder à la caravane. Donc, d'après nous, tout le monde va pouvoir accéder à notre caravane. Mais la démographie même, ça, on ne l'a pas établi, on ne l'a pas stratifié. Non. En ayant aussi le studio en permanence chez leurs photos, ça ouvre la porte à tout le monde, à tout moment, en fait, pour venir se présenter. Est-ce que vous craignez une abondance? Je ne sais pas. S'il y a un engouement tel, les gens disent « Hey, c'est vrai, il faut prendre notre photo avant telle date. Je ne me suis pas fait prendre en photo, je vais y aller. » C'est ce qu'on souhaite. On veut un engouement. On veut que les gens participent. Tu parles pour la caravane ou c'est sûr que chez leur photo, s'il y a 3200 personnes qui se ramassent la fin de semaine, c'est sûr qu'il pourrait avoir un peu de congestion. Mais ça, j'imagine que c'est des choses qu'on va gérer aussi au jour le jour. On a quelqu'un, un ingénieur qui va travailler avec nous d'ailleurs. On a un projet pilote qu'on va faire prochainement dans les deux prochaines semaines. On va installer la caravane dans une rue au hasard qu'on ne dit pas. Puis, on va rouler, on va faire juste un test pilote, justement, pour connaître exactement le nombre de secondes par personne et tout et tout. OK. Mais là, quand vous débarquez dans le quartier, comment ça fonctionne, là? Vous avez des tambours, des trompettes, des haut-parleurs, je ne sais pas, Marc-André? Pardon. La caravane va arriver toujours à peu près le lundi dans le quartier qu'on va couvrir le week-end suivant pour montrer notre présence. Ensuite, quand le week-end va arriver, nous, on commence à 8 h le matin, le samedi. On va se promener, on va avoir un porte-voix, on va se promener dans le quartier, on va vraiment faire sentir notre présence là, dans le coin visuellement. Puis il y a un animateur aussi qui va être avec nous, là, qui va permettre aux gens d'apprécier le moment d'attente. Et on a même ressorti la fameuse automobile porte-voix. Là. OK. Ouais, un classique à Saint-Jean quand on faisait. Oui, les ligues de baseball. Les avis d'ébullition d'eau. On va pouvoir se promener avec ce véhicule-là dans les quartiers, réveiller tout le monde le samedi matin. On va avoir beaucoup de plaisir, je pense. C'est quoi, à date, la réaction que vous avez? Parce que là, le projet a été annoncé un petit peu partout. Vous vous êtes lancé, évidemment, avec une page Facebook. Vous avez fait la une du Canada français il n'y a pas si longtemps. C'est quoi, jusqu'à date, la réaction des gens? Les gens sont assez énervés, ils nous trouvent un peu fous. C'est sûr que tout le monde nous trouve un peu fous, mais tout le monde embarque dans notre mouvement. C'est sûr que nos capsules vidéo sont très drôles, donc on a beaucoup de plaisir à le faire. Donc, je pense qu'en ayant beaucoup de plaisir, les gens embarquent dans notre fun, puis sentent aussi que c'est un défi à relever. C'est ce qu'on veut leur véhiculer. C'est un défi, c'est un record de ville, c'est un record qu'on se donne. On veut que ça marche, on veut 60 000 personnes. Présentement, les gens se posent beaucoup la question sur la logistique. Oui. Tout le monde veut l'embarquer, mais là, ils disent « ça va être comment? Est-ce que vous allez venir dans mon entreprise? » Il y a des gens qui nous écrivent sur Facebook « n'oubliez pas de passer chez nous. » Mais c'est vraiment là, c'est ce qu'on a fait. Là, on a plus lancé des capsules vidéo pour
lancer le projet, faire connaître le projet. Puis là, maintenant, les prochaines étapes, ça va être vraiment d'expliquer ce qu'on a mentionné, la caravane, le déplacement, comment qu'on va réaliser ça. Et le besoin. Exactement. Et le besoin de la population de participer. Parce que ça se veut rassembleur. Martin l'a dit tantôt, là, tout le monde est touché par ce projet-là. Ce n'est pas une petite clique, c'est tous les citoyens. On veut qu'ils participent. C'est un projet communautaire, là, collectif. D'ailleurs, pour suivre toute l'activité du projet, savoir un peu justement les dénouements, qu'est-ce qu'on a comme nouveauté, les partenariats d'ailleurs, parce qu'il faut, que les gens aillent sur notre page Facebook. C'est notre moyen de communication le plus facile puis le plus qui rejoint le plus de gens. Là, au moment où on enregistre l'émission, vous avez combien de j'aime sur votre page? Je pense qu'on a, là, on est à 2200. On l'a ouvert il y a à peu près 2 semaines. Quand même pas pire. Ça va bien. Mais ce qu'on a été pris par surprise, je te dirais, c'est les vidéos qu'on a mis en ligne. On n'a pas loin de 80 000 vues présentement sur nos vidéos. Donc, c'était beaucoup partagé. Bien, c'est ça. Ça nous a pris un peu par surprise parce que nous autres, on voulait juste comme... en fait, nos vidéos ne sont pas claires présentement. Les gens ne comprennent pas trop le projet. Puis donc, les prochaines capsules, justement, là, les gens méritent un peu de clarté. On appelle ça un teaser. C'est un teaser, ouais, c'est ça. Mais le teaser, il a été efficace. Donc... Puis, dans le fond, ça pour dire que présentement, nous autres, on s'est concentrés surtout justement au financement du projet. C'était la première étape. Puis là, on commence justement... Comment on arrive à le financer, le projet, justement? Bien, en partie, évidemment, on a les fins du 350e qui nous appuient fortement. Donc, ça, c'est très, très, très important. Ensuite de ça, bien, on vient justement de finaliser notre équipe de partenaires qui embarque, dont notre partenaire majeur qui va être le Pasquier à Saint-Jean. Donc, ça, c'est super le fun. On va avoir pour 5 000 d'épicerie à faire tirer cet été parmi les gens qui vont venir se faire prendre en photo. Fait que ça va être vraiment trippant. Nos bénévoles vont être nourris en plus. Fait que c'est un autre aspect qui est important aussi parce qu'on va en passer du temps là, dans les quartiers. Là. Donc, tout le monde va être nourri puis des prix à gagner. Fait que ça, c'est bien le fun. Il y a d'autres aussi partenaires. Julie, je te laisse parler des autres partenaires. C'est important de le mentionner parce qu'on a été super bien appuyés donc, pour la logistique et Transport Bourassa. Transport Bourassa et Soleno, en fait, qui participent pour la logistique, dont Transport Bourassa qui fournit la vanne pour les studios. On a aussi Fuji Canada, Fujifilm, qui va fournir le papier, toute l'impression, dans le fond, pour le projet. Donc, puis ça n'a pas été long que les partenaires, surtout, qui ont trouvé l'engouement, qui ont participé, puis on est vraiment choyés de ça. C'est assez intéressant. On a leur photo aussi qui va avoir le studio et tout. Je reviens tantôt à la logistique. Vous débarquez dans le quartier, vous êtes avec la caravane, là, les gens, bon, ils le savent, vous annoncez, on sort l'auto avec le haut-parleur et tout ça. Et là, comment ça fonctionne dans la caravane? Vous êtes combien? Il y a combien d'appareils photo? Il y a combien de bénévoles? Est-ce qu'il y a une file d'attente? Combien de personnes vous pouvez passer à la minute, à l'heure, à la journée? Mais en fait, notre objectif, c'est 3200 personnes par week-end qu'on veut faire. Oui, c'est beaucoup. 3200 par week-end? Oui, bien, pour arriver à notre objectif, okay. Là. Les gens, ils vont être invités à s'inscrire, à se pré-inscrire, en fait, sur notre site Internet. Ils vont pouvoir réserver, s'ils viennent, mettons, le samedi matin dans leur quartier, samedi l'après-midi, pour ne pas avoir à attendre toute la journée. Rendu sur place, il va avoir une tente d'inscription parce que nous, on veut quand même que ce soit des Joannais, Joannaises. Donc, on va confirmer la citoyenneté de la municipalité, donc permis de conduire, une pièce d'identité. Par la suite, un numéro qui va leur être attribué. Évidemment, il y a des bénévoles qui vont gérer l'accessibilité à la caravane. Donc, comme on a dit tantôt, 5 photobooths, donc 5 photographes, 5 équipements photo qui vont être installés là. Et c'est quoi le délai que vous vous donnez pour réaliser le défi? On se donne jusqu'au 31 août. Donc, on a 5 mois pour réaliser le défi au complet. Puis c'est juste, strictement les week-ends. Et ainsi, les fêtes où on va être présent. Avez-vous des blondes? Des on a des blondes, des enfants, on a écrit des lettres, tout. Okay. Moi, j'ai pris des photos de mes enfants. Vous savez que vous n'avez plus de vie pour les enfants. Ah, c'est sûr. Il faut savoir que nos familles vont être avec nous. Non, nos familles vont avoir du plaisir. Ça reste qu'on veut créer des fêtes de quartier à tous les week-ends dans les différents quartiers où on va se déplacer avec de l'animation. Donc, nos enfants vont être avec nous puis on va avoir bien du plaisir. Tu disais que tu avais eu l'idée il y a 7 ans. Oui. Mais aujourd'hui, tu es probablement conscient qu'avec l'avenue des médias sociaux, on a une capacité plutôt rapide de rejoindre les gens. C'est-à-dire que la journée que vous débarquez dans le quartier X, Y, Z,
et que la nouvelle se prépare, se propage assez rapidement, ça peut avoir un effet d'entrain assez viral, assez magique, là. Bien, c'est sûr que c'est ce qu'on souhaite. Puis c'est drôle parce que notre projet est un peu une critique envers les médias sociaux, mais on sert des médias sociaux pour... Dans quel sens c'est une critique? Bien, dans le sens que le message qui est à l'arrière de ce projet-là, c'est que c'est important de bien traiter ses souvenirs. Et on parle de la photographie, que c'est un métier qui a été... c'est pas un métier, c'est une forme d'art qui a été galvaudée, je te dirais, par les médias sociaux. C'est-à-dire qu'on consomme la photo, on la jette, on la swipe, ouais. On prend pas le temps d'apprécier ou de bien conserver. Ouais. C'est-à-dire que au niveau historique, j'ai l'impression que les années qu'on vient de passer, les 10 dernières années, quand nos enfants vont avoir 50, 60 ans, ils vont manquer des souvenirs à quelque part de ces années-là. Parce que la technologie ne veut pas évoluer tellement rapidement que si on ne prend pas le temps de s'asseoir puis de classer puis de... Oui, il y a comme deux commentaires que j'entends. C'est drôle parce qu'il y a quelques jours, j'ai changé les téléphones cellulaires pour les membres de ma famille. Oui. Et souvent, c'est « qu'est-ce qu'on fait avec les photos? » Ah, pas besoin de les sauvegarder, ils sont sur Facebook. Oui. Non, mais c'est ça aujourd'hui, surtout les jeunes. C'est ce qui est dangereux. Surtout les jeunes, ma conjointe un peu moins, elle a vu les sauvegarder. Mais du côté de mes jeunes, c'est pas grave, ils sont sur Facebook. Bien, c'est ça. Moi, je suis arrivé chez un de mes chums il y a 3 semaines, puis son routeur était brisé chez eux. Il n'a jamais réussi à me montrer, il voulait montrer les photos de sa fille en ski. Il n'a jamais réussi à me les montrer. Puis ça, je trouvais ça tellement dommage, là. Je me suis dit, si nos souvenirs sont tous connectés par un fil après notre maison, je trouve ça quand même très dangereux. Puis même le vice-président d'Apple le disait, le plus grand danger, c'est de mettre tous ses œufs dans le même panier, dans le nuage. Oui, le nuage. Le fameux nuage, bien, c'est ça, dans le fond, Facebook, c'est une forme de nuage, c'est-à-dire qu'on met nos photos là, puis c'est des serveurs qui sont à l'extérieur de chez nous. Si on n'a pas une connexion Internet, on n'a pas accès à nos souvenirs. Fait que c'est super important, selon moi, de... Tu veux rajouter quelque chose? Oui, mais en fait, c'est... les photos, on parle de nos jeunes, moi aussi, ma fille, c'est sur Instagram, ses photos, etc. Sauf que quand on a fait la première capsule, pour ceux qui l'ont vue, on a fait l'expérience un petit peu avec nos propres enfants. On a sorti nos albums photos. OK. Pour juste qu'ils consultent, pour rajouter dans la capsule. Ils ont dit, nos c'est enfants, ça, du papier? Oui, mais, ils ont vraiment eu une belle réaction. C'était le fun de les voir, de regarder. Puis, papa, regarde, t'étais comme ça, etc., etc. Et puis même, j'ai sorti des photos de mon père. Là, ma fille, elle voyait ça. Des photos en noir et blanc, etc. Il y avait vraiment... un engouement. Ouais. Fait qu'il y a une sensibilisation aussi à avoir auprès de nos jeunes, nous-mêmes. C'est pour ça qu'en imprimant les photos, en relançant ce message-là, ça peut toucher. L'autre commentaire qu'on entend aussi depuis qu'on a probablement tous viré au numérique, c'est de dire, on a des milliers de photos, mais on les regarde pas trop souvent ou presque jamais, parce que quand tu as un album... Évidemment, il est classé, tu peux le prendre, puis tu sais, tu y touches. Comme dans le cas du numérique, mais là, souvent, c'est là tu changes d'ordinateur, puis là, ton disque dur est brisé, puis là, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que j'ai fait mon backup? Est-ce que je les ai sur un CD? Si la maison passe au feu, il arrive quoi? Non, mais c'est ça. Hein? Ça, c'est un phénomène. Est-ce que les clients en parlent beaucoup de ça, la préoccupation à l'égard des souvenirs? Parce que, là, vous avez un projet qui s'appelle Portrait d'une ville, 60 000 photos, qui se veut aussi, en quelque part, une forme de message par rapport au monde de la photographie, Julie. Les gens le réalisent, puis de plus en plus, à chaque jour, je pourrais dire quotidiennement, on a des gens qui arrivent avec un téléphone qui ne fonctionne plus ou une carte mémoire défectueuse, puis les gens réalisent à ce moment-là, après avoir perdu peut-être, je ne sais pas, un an de photos, que c'est pas infaillible. Donc oui, les gens le réalisent, mais ça prend un coup dur, puis je trouve ça dommage. Donc c'est pour ça que le message, on le passe peut-être avant, tu sais, que le coup dur arrive. Puis je remarque quelque chose par rapport à ça, les fameux Polaroids reviennent à la mode. Les jeunes ont repris le plaisir, je pense à Roxane, la fille de Marc-André, qui a un Instax, un petit appareil qui, la photo sort, c'est rendu magique. Nous, on a connu ça, mais pour eux, c'est tout à fait nouveau. Et ça revient. Ils ont leur création entre leurs mains. Donc ça, moi, je crois que c'est... les évaluateurs d'assurance qui avaient ça, tu sais. Oui. Quand ton auto était brisé, le gars avec son Polaroid. Ils sortaient la photo tout de suite, mais ça revient. Donc, je pourrais dire que les jeunes retrouvent le côté tangible du souvenir, de la création aussi, de leur souvenir. Ouais. Je sens que, oui, la population est de plus en plus concernée par ça. 50 000, 60 000, est-ce que le chiffre est important? Est-ce qu'il y a une notion de défi par rapport au record Guinness ou je ne sais trop? C'est une marque qu'on veut établir.
Donc, on s'est donné comme objectif 50 à 60 000. On veut que ça soit un chiffre qui soit dur à atteindre. On veut que ça soit une marque qui soit imposante. Moi, ça s'est jamais fait ailleurs? Ça s'est jamais fait ailleurs. Évidemment, il y a des projets qui se ressemblent. Évidemment, en photographie, il y en a. Mais la marque, tu sais, un chiffre précis, nous, ce qu'on vise, c'est 50 à 60 000. Mais est-ce que vous souhaitez le faire homologuer? Oui, c'est quelque chose qu'on souhaite. Puis d'ailleurs, c'est tout un processus. C'est un long processus. C'est souhaitable. Oui, c'est ce qu'on veut faire. On est en processus, on est en pourparlers. Mais c'est ça. Une fois qu'on a les 50 à 60 000 photos, évidemment, donc on le dit, ils vont être imprimés et conservés. Oui. Mais conservés par qui, par où, comment? Quelqu'un veut les voir, allez-vous faire une exposition avec ça? Ça va être quoi les suites du projet? Là, on a... Il nous manque une personne dans l'équipe, là, justement, le cerveau de l'équipe. Sarah Legault, qui est une bachelière en histoire de l'art puis qui a une spécialité en plus en muséologie. C'est elle qui va s'occuper du côté archivage pour que ce soit fait dans les normes, justement, pour qu'on puisse mettre ces images-là dans un endroit approprié, premièrement, puis aussi d'une façon classée, appropriée, pour que ce soit... que le tout devienne considérable à l'œil d'un historien, par exemple. Puis est-ce que vous... Oui, Marc-André? On aimerait ça. On mentionne dans nos vidéos, dans nos capsules, qu'on aimerait ça que ça soit conservé pour au moins 200 ans. Fait que si, même au 450e, au 550e, ils décident de ressortir ça pour faire un petit clin d'œil à ce qui a été fait dans les années auparavant, puis de revoir ces photos-là, que ça soit disponible et dans un bon état également. Est-ce que c'est pensable de se dire, est-ce qu'on pourrait faire une exposition avec ça? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est souhaitable? On a plusieurs idées pour la suite du projet. On est en pour parler de comment, justement, on pourrait souligner. On va avoir une fresque, nous, chez L'Art Photo, pendant la durée du projet, qui va être toutes les photos rassemblées dans les filières et dans ces compartiments-là, prêts pour l'archivage. Donc, on aura cette fresque-là chez L'Art Photo pendant la durée du projet. Puis ensuite de ça, on est en Et vous voulez quoi comme photo? Maquillage, coiffure, vêtements, sourire, photo passeport? Non, je ne sais pas. C'est quoi vous voulez comme photo? Mais la photo, en fait, elle représente un petit peu, elle s'apparente en fait à une photo passeport, mais plus artistique quand même. Puis on est trois amoureux, si je parle de Jean-Martin, Martin et moi, on adore la photo noir et blanc. Fait qu'on s'est vraiment questionné à ce niveau-là. Est-ce qu'on y va comme ça? Finalement, on est allé avec la photo couleur parce que ça va représenter l'époque. On est d'accord que présentement, en 2016, il y a une variété de styles incroyables. Il y a des clins d'œil aux années 80, il y a du très actuel. Puis au niveau de la photographie, on a un cadrage spécial qu'on établit, qu'on veut avoir. Mais on veut laisser les citoyens choisir de la façon qu'ils vont être conservés, en fait. S'ils veulent faire un clin d'œil, une grimace, avoir la casquette jusqu'au nez, c'est correct. Ce qu'on préfère, c'est avoir des yeux ouverts pour avoir vraiment l'esprit, le contact, le eye contact finalement. Mais sinon, c'est libre aux citoyens. Donc, si on résume, dans quelques jours ou quelques semaines, projet pilote dans un quartier au hasard. Oui. En fait, qui n'est pas dévoilé. Et, par la suite, ça commence pour le vrai là, le 29 avril. 29 avril, c'est exactement ça. On commence au Pasquier. Donc, on lance le message à tout le monde. On convie tout le monde à se déplacer, bien, le plus de monde possible, parce qu'on veut lancer un bon message. Évidemment, on va pouvoir prendre des gens en photo aussi pendant ce premier week-end-là. C'est sûr qu'on passera peut-être pas et tout le monde. Et après ça, présent, dans les différents événements de l'été et à chacune des fins de semaine jusqu'à la fin du mois d'août, en quelque part dans un quartier près de chez vous. Voilà, exactement. Et si entre-temps, les gens veulent avoir de... Et il y aura bien sûr le studio aussi chez L'Art Photo. Oui. Si les gens veulent avoir des renseignements, bon, ils peuvent évidemment aimer votre page sur Facebook, Portrait d'une ville. Oui. Ils peuvent communiquer avec vous de cette façon-là aussi. C'est la meilleure façon de communiquer avec nous. Bon, et de voir tout le détail du projet probablement sur la page Facebook, c'est le meilleur endroit pour obtenir de l'information. On va tout centraliser. Bon, bien, on va vous souhaiter, évidemment... J'aime le petit sourire qui accompagne ça. Bonne chance pour les prochaines semaines, mais ça va être un défi. Vous allez pouvoir J'espère qu'on va se revoir, justement, dans cinq mois, Éric, avec une belle gang de filières derrière nous, dans ton studio. Bien, bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, c'est le Babillard quotidien. Chère Joannès, nous avons vécu des inondations ensemble, nous avons vécu un grand verglas ensemble, et à chacun de ces grands obstacles, nous nous sommes relevés en se serrant les coudes et en s'entraidant entre voisins.
2016, c'est l'occasion pour vous de dire « Je fais partie de cette histoire, je fais partie de cette ville magnifique. » Alors Saint-Jean, lorsque tu entendras les carillons de la caravane cet été dans ton quartier, sors dehors avec ta famille, cogne chez ton voisin et convie-le à prendre part de l'histoire, car on le sait, dans l'adversité, les premiers à nous aider sont les gens qui nous entourent. Après tout, ce n'est pas seulement qu'une photo qu'on vous propose. C'est une empreinte intemporelle de votre participation dans le rayonnement de cette ville qui est la vôtre. Bonne fête, Saint-Jean. Salut, ici Alexandre Beaudoin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, 100% Montgolfière. Oui, les pilotes de Montgolfière, pompiers, représentants, Jacob Vaillancourt est avec nous pour un show complet. Voilà, quoi de mieux pour digérer le chocolat? Ouais. Pour s'envoyer en l'air, manquez pas ça. Individuellement, quand on est seul, je veux dire, parce qu'en absence de normes. La Société de développement du Vieux-Saint-Jean est à la recherche de jeunes talents pour meubler la programmation de l'été 2016, de l'été chaud, qui va se tenir, bien sûr, cet été dans le Vieux-Saint-Jean. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean sur Richelieu. À chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Carte pleine est à 2 000, 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Et pour avoir la liste des détaillants, vous faites tvhr9.com ou 358-1912. Prochain rendez-vous, nous, c'est demain. Bye-bye.